Oui, alors, c'est quoi la différence entre un kyste et une tumeur? Comme je l'ai dit au début, c'est une masse qui est liquidienne. Donc, les patients, en général, ils ressentent l'apparition d'une tumeur faction, mais quand on la touche, elle est rénitente, elle bombe. Donc, ça montre que son contenu, il est liquide. Par contre, la tumeur, en général, c'est des masses tissulaires, donc elles sont dures. Qu'ils soient bénignes ou malignes, les tumeurs, en général, sont dures et augmentent progressivement de volume. Le kyste, en général, augmente rarement de taille, il ne change pas de taille en général, et son contenu reste toujours liquidien. Des fois, on a des kystes qui sont semi-liquides, on dit des kystes solides ou liquides. Une partie, il est liquidienne et l'autre partie, il est solide. En général, ce genre de kystes semi-liquides ou mixtes, dont il faut s'inquiéter et consulter le médecin. Thank you.